Alors, petit setup pour GoPro pour faire des longs time-lapse ou des time-warp. Alors, j'utilise le chargeur portatif Anker de 20100 mAh. Il existe aussi des modèles plus petits, plus maniables. Avec ce format de batterie, vous allez avoir des heures de batterie. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser un petit trépied ou pas. J'ai utilisé les attaches GoPro autocollants sur le dessus, puisque la caméra est assez légère. Par contre, sur le dessous, il a fallu fabriquer une braquette spéciale. J'utilise le petit trépied comme poignée. J'utilise du thermoplastique pour faire la braquette spéciale alentour de la batterie. Va servir à solidifier fermement. Voici ce que ça a de l'air, les billes de thermoplastique. C'est moulable comme de la plasticine, un coup réchauffé à 62 degrés dans de l'eau chaude. Ça vient en sac d'un kilo et moins. C'est comme des petites billes de plastique. Et il y a d'autres formats qui viennent comme des cartes de baseball ou même un peu plus grand. Un coup trempé dans l'eau chaude, elles deviennent molles et malléables. Voici quelques exemples. Un coup refroidi, c'est aussi dur que n'importe quel plastique. Bye bye!